aime la prise de risque, on rencontre parfois des obstacles puis des échecs. C'est formateur, en fait, d'avoir un échec ou de se buter à un obstacle. C'est quoi l'échec? C'est quand toi, tu décides d'un peu d'abandonner. La pire réaction devant l'erreur, selon moi, c'est de ne pas en faire une analyse puis de voir qu'est-ce qui s'est passé. De ne pas chercher les vraies raisons. Des projets qui ne fonctionnent pas, ce n'est pas des échecs en soi. Là. C'est je pense, plus des situations difficiles qu'on essaie de résoudre le plus rapidement possible pour passer à la prochaine étape. L'échec, c'est d'apprendre. Pour moi, c'est des opportunités d'apprentissage, des opportunités de devenir meilleur. Votre équipe vous font confiance. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. On est responsable de ses employés lorsqu'on est chef d'entreprise. Ça nous a appris à ne pas célébrer trop vite. C'est pas vrai que tout va être aussi facile qu'on pensait.